Carpentras, son église Saint-Siffrin, ses façades provençales colorées et ses petites placettes ensoleillées, même au cœur de l'hiver. Ici, au pied du Mont Ventoux, se tient chaque vendredi un marché qui remonte à l'époque romaine. En hiver, la reine des étals, c'est la truffe du Ventoux. Panier en main, les trufficulteurs attendent de pénétrer dans la cour de l'Hôtel-Dieu pour vendre à prix d'or leur précieuse récolte avec la bénédiction du clergé local. Avec l'art culinaire, avec la truffe, avec la brouillade et autres, je dirais que ce sont des petits péchés mignons. Tu as questi rabas et surisant mais quelisant cavade. Une bénédiction en provençal, et à 9h pile, le traditionnel coup de sifflet marquant le début des transactions est donné par Dédé, le président de la confrérie des trufficulteurs de la région. Le marché au gros est ouvert et les négociations entre professionnels peuvent commencer en toute discrétion. Alors, vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas de prix affiché. Le marché aux truffes de gros, c'est de gré à gré. Si le marché au gros se déroule à l'abri des regards, le marché au détail, lui, est ouvert à tous. Elle fait 64 grammes et elle fait 51,20 €. Anne Quinty vend ses truffes sur le marché depuis plus de 10 ans et elle n'est pas avare de conseils. Vous cassez vos œufs sans les battre. Vous prenez la truffe, vous la tranchez et vous laissez 4 ou 5 heures au réfrigérateur pour que les arômes diffusent bien. Au dernier moment, vous battez très très légèrement et vous faites une omelette baveuse. À quelques stands de là, Olivier. Il est maraîcher à Carpentras depuis 15 ans et pour lui, pas question d'oublier les autres champignons. C'est le moment de la truffe, mais c'est aussi la période du champignon. Et on a du lactaire du Ventoux, des trompettes de la mort, des chanterelles et des piles-moutons. Sur son étal, ces champignons côtoient des variétés de fruits et légumes peu connus qu'Olivier essaie de faire découvrir à sa clientèle. Et des fois, on achète des choses qu'on n'avait pas prévues. Alors c'est la surprise. Et pour les gourmands, faire le marché, c'est toujours l'occasion de laisser libre cours à ses envies. La preuve avec les pissenlits. Et moi, je suis lyonnais, alors je fais ça avec des lardons et des petits croûtons. Et voilà, bien chaud. Moi, je suis pas lyonnais, je fais pareil. C'est délicieux. Et des œufs, un œuf ou deux dessus. Un tilleul. Un tilleul. Elles sont liquides. Miel, fruits confits ou encore lavande, à Carpentras, ça sent bon la Provence. Et la Provence, c'est le pays de l'olive par excellence. Le stand de Régine Bresse, oléicultrice dans la région de Nyons, ne désemplit presque jamais. Ici, les gens ont vraiment, comment dirais-je, une familiarité avec l'olivier. Ils ont presque tous des oliviers dans leur jardin, voire quelques champs d'oliviers. Voilà, c'est de l'or en bouteille. Régine fait le marché de Carpentras depuis 30 ans et elle ne s'en lasse pas. Je crois que c'est un aboutissement. On travaille toute l'année pour avoir de beaux fruits. Et arriver à les amener jusqu'aux clients, c'est un plus, je pense vraiment. Et les clients ne s'y trompent pas, vertes ou noires, les olives sont achetées au kilo. Car dans ce coin de France, impossible de se passer de cette petite perle provençale. Elles sont très bonnes, oui, oui. Retour du côté des trufficulteurs pour la traditionnelle brouillade aux truffes de Carpentras. Visiblement, la recette a été suivie à la lettre. Elle est délicieuse, le temps est splendide et on est avec des amis, c'est parfait.